comme j'ai déménagé. Partie des cartons, les reports de calque, etc. Le plomb, normalement, on rentre pas dans la partie de l'atelier là-bas, ne rentre pas tellement dans cette partie-là. Quand je dis le plomb, on ne rentre pas parce qu'il faut qu'on fasse un relativement attention. Vous avez parlé du cœur du plomb qui est au centre et les ailes de plomb qui recouvrent. Et tout le travail se fait avec cet outil, on appelle un couteau à plomb, qui permet de couper le plomb. Le plomb est suffisamment souple et malléable pour épouser le contour des pièces de verre. Vous voyez que là, cette ligne de plomb ici, elle part d'ici, elle entoure toute cette feuille-là et elle revient. Le couteau à plomb permet d'enfoncer les pièces de verre sous les ailes de plomb, donc de rabattre, d'enfoncer les petits trous qui maintiennent les pièces de verre, de tasser le plomb, d'écarter les ailes de plomb pour enchâsser les autres plombs. Donc tout se fait avec cet outil-là. Et on progresse petit à petit, pièce par pièce.